Bonjour Maurice. Bonjour Pascal. Tu vas bien? Très très bien, j'espère que toi aussi. Impeccable, en forme. Magnifique. Donc prêt à débuter cette série de vidéos? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, on va essayer de faire en sorte de montrer le béaba du pilotage, avoir un fil conducteur pour les copains qui veulent s'entraîner et améliorer le pilotage de l'hélico. Donc le H145 en l'occurrence, mais ça marche aussi pour les autres. Oui, bien sûr, on va un petit peu voir aujourd'hui qu'un hélico ne demande qu'une seule chose, c'est de ne pas voler et qu'on va vouloir être le patron. Donc on a trois éléments pour ça, c'est-à-dire il y a un levier de cyclique que Pascal nous montre, et là qui bouge pour le moment, voilà. Ce levier de cyclique, eh bien, il va permettre de donner la direction en vol de l'aéronef pour le mettre en avant, en arrière, éventuellement si besoin, mais le moins possible, à gauche ou à droite. On a également à côté de cela un levier de pas général, souvent appelé le levier collectif, qui est pris par la main gauche ici. On voit Pascal qui le bouge tout doucement parce que l'hélicoptère est déjà prêt à voler. Lui va nous permettre de monter et descendre. Donc faire bien attention, on monte et on descend avec le collectif, pas avec le cyclique. Et le troisième axe, qui est l'axe de l'anticouple, c'est-à-dire qu'à l'arrière de l'hélicoptère, et là on peut mettre une petite vue externe, voilà, on voit derrière qu'il y a un rotor anticouple. Et bien ce rotor anticouple, comme il le dit bien, il va empêcher l'hélicoptère de tourner sur lui-même, et en repassant en vue interne, en vue cockpit, il va être manœuvré par les pieds. Voilà, on le voit. Alors avec le palonnier, comme avec le cyclique et le collectif, on va être excessivement doux et on va toujours essayer d'être à l'avance par rapport à l'hélico, et ça, nous aurons l'occasion d'en reparler par après. Voilà Pascal, est-ce que tu es prêt à commencer avec une petite démonstration? Allez, on essaye alors. Donc là, on va ne travailler que sur un seul axe à la fois. Donc là, on va peut-être se mettre en vue externe. Pascal va lever le levier de pas général, donc le collectif, celui de la main gauche, sans rien faire d'autre, sans toucher au pied, donc au palonnier, sans toucher au cyclique, et regardez ce qu'il se passe. Donc là, j'y vais doucement. Hein. Oui, oui. Tu peux lever un petit peu plus, voilà. Et que voit-on? Bien, on voit l'hélico qui tourne sur lui-même, entraîné par le rotor d'un côté, et comme on ne met pas d'anticouple, qu'on ne met pas une force contraire, eh bien, on a l'hélico qui tourne sur lui-même. Voilà, j'agis un tout petit peu sur le palonnier. J'allais dire, il s'arrêtait de tourner, mais là, finalement, il se barre. Voilà. Donc là, on va le reposer, Pascal, gentiment. Il n'est pas sans dire que Pascal, ce n'est pas sa première heure sur l'hélico, bien entendu. Alors maintenant, on va, tout en levant le pas général, on va travailler, on va mettre un petit peu de pied. Donc là, on voit Pascal qui va faire bouger l'anticouple. Voilà. Alors ici, une spécificité, si j'arrive à le dire, avec l'hélico par rapport à l'avion, mais que l'on peut aussi bien entendu travailler dans une aile fixe. Ici, si on dit on met du gauche, donc on avance le pied gauche, et que l'on avance le pied gauche en laissant reculer le pied droit, ben on va voler un petit peu comme un bourrin. On va être beaucoup trop rapide, on ne sera pas assez sensible. Donc, si on veut mettre du gauche, eh bien on va soulever légèrement le pied droit en laissant le talon au sol. Donc on va là. En somme, le pied droit autorise le pied gauche à s'enfoncer. Et là, on aura une grande finesse, une plus grande précision. Voilà. Donc là, maintenant, on va se remettre en vue externe. Pascal va soulever légèrement le collectif. Et là, il va uniquement pousser avec le pied gauche, sans le maintenir avec le pied droit. Et vous allez voir la réaction de l'hélicoptère, comme elle est nettement plus violente. Et par la suite, il le fera convenablement en soulevant le pied droit. Voilà. Donc là, maintenant, il soulève carrément le collectif et met du pied gauche. Oui, et là, le contrôle de l'hélico est très très difficile. Il va le reposer gentiment. Voilà.
mettons, Vladimir. Et maintenant, Pascal, maintenant, tout en relevant, en faisant le même geste sur le collectif, c'est-à-dire en levant le collectif, il va accepter avec le pied droit que le pied gauche s'enfonce. Vous allez voir que là, il a de plus grande maîtrise de l'hélico. On voit que l'hélico veut toujours partir sur un côté. On verra ça juste après. De l'extérieur, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Non. On voit la différence. Allez, on y va. On y va. Et là, on voit que l'hélico tourne moins et qu'il arrive avec le pied droit de le contrôler. On recommence, Pascal. Bon, on essaie de le faire juste. Voilà. Donc là, on voit bien que l'hélico ne tourne plus sur lui-même. On revient à l'intérieur, donc on voit le cockpit. Et maintenant, on a ce fameux levier, donc ce manche, hein, ce fameux levier qui commande le plateau cyclique. Et maintenant, lui, on va faire ce qu'on appelle de la mayonnaise. Ce terme-là, vous l'entendrez régulièrement. En somme, c'est lui qui va permettre un petit peu de gérer le déplacement latéral, vent, arrière de l'hélico. Donc, vous l'avez déjà compris, vous l'avez deviné. Ici, c'est la conjonction des trois axes qu'il va falloir à chaque fois travailler. Quand on bouge un axe, il faut compenser sur les deux autres axes. C'est là la difficulté justement du vol de l'hélicoptère par rapport à un avion où lui on lui demande d'aller vers l'avant, il va tout simplement vers l'avant. Voilà. Donc là maintenant on va voir en restant en vue cockpit qu'il va travailler, on voit le collectif, essaie de te mettre un petit peu, donc on voit ton collectif un petit peu, Pascal, descends ta vue de tellement, voilà. Parce que ce qui est important là ici c'est de voir les trois commandes. Il y a l'air qui est en dessous, mais ça... ça, ils vont voir les déplacements, mais c'est les trois commandes. Donc là, maintenant, Pascal va essayer de faire un statique dans l'effet de sol, c'est-à-dire il va essayer de rouler les œufs, rester près du sol et chercher le point qui va permettre à l'hélicoptère d'être en équilibre. Et là, on voit, le collectif se déplace. Bien regardé, mais il bouge. Voilà, on voit les pieds qui bougent. En fait, là, il ne bouge plus très bien parce que je l'ai stabilisé, justement. Attends, je vais me mettre un peu plus haut parce que là j'ai pas de point de repère comme d'habitude. Voilà. Donc là je fais une action sur le pied, je le fige, je lâche le cyclique et on voit qu'il rebouge. Donc là je vais vraiment monter parce que sinon... Là il va devoir pousser le cyclique vers l'avant. Voilà, donc on voit en fait, ce qu'on voit très bien là c'est que du coup, si on rate la manœuvre, on part très vite en cacahuète. Hein, et ah oui, il faut reprendre, voilà. Comme j'avais pas mes points de repère, voilà, je vais essayer de garder mes... Voilà, donc là je sais que je suis à... Bon, on est à 20 pieds d'après lui, voilà. Et donc là maintenant, ok, là je fais l'exercice. Mais là tu es à 30 pieds, tu es hors effet de sol, il faut redescendre un petit peu. Ouais. Voilà, on voit le cône jaune là, je vais essayer de le prendre comme point de repère. Voilà. J'ai l'impression qu'il est fatigué quand il dit 14 pieds. Là. Bon. Voilà. Ok, donc là je vais faire le stationnaire par rapport au cône. Donc là il faut que j'agisse. Bon, le collectif lui bouge pratiquement plus maintenant. Par contre, voilà, le pied à gauche. Ça se voit pas trop sur le manche en fait là, mais comme tu disais mayonnaise, hein, il bouge. Enfin mon joystick bouge en fait. Mais ça se voit pas tant que ça. Mais on verra que par la suite, quand on veut l'affiner, là ça bouge beaucoup plus. Mais ça reste toujours dans une pièce de 2 euros. Ah oui, ça bouge pas des tonnes. Hein. Mais c'est en mouvement. Ah oui. Maintenant, éventuellement, pour rappeler un petit peu, on va se mettre en vue externe. Et maintenant, Pascal va lever son hélico. On va rester dans l'effet de sol. Donc, l'effet de sol, quelle est la hauteur de l'effet de sol? Eh bien, c'est tout simplement le diamètre des pales de l'hélicoptère. Donc, ici, on est à 10 mètres 34, si je ne m'abuse. Donc, jusqu'à 30 pieds, on est dans l'effet de sol.
Donc ici, Pascal va monter entre 20 et 30 pieds et il va indépendamment bouger d'abord le cyclique dans les quatre directions. Donc vous allez voir cyclique dans la direction droite, vous verrez l'hélico qui va se déplacer vers la droite. Dans la gauche, il va se déplacer vers la gauche. Et pour ceux qui seront très attentifs, vous remarquerez à un moment donné autre chose au niveau de l'élévation. Et puis ce sera au niveau du collectif et au niveau du palonnier, et puis les trois ensemble. Comme ça va être bien succinct. Et là, vous allez pouvoir bien comprendre comment agissent les commandes de l'hélico. Pascal, c'est à toi. Quand tu es prêt. Voilà. On est bien là, on passe en vue externe. Et là, maintenant, il va mettre. Essaye un petit peu de vraiment bien en vue externe, que la personne voit bien derrière. Donc là, je mets du cyclique à Voilà. gauche. Voilà. Donc là, il met du cyclique à gauche et on voit que l'hélico va vers la gauche. Cyclique à droite. Maintenant, je mets du cyclique à droite. Ah, j'ai touché à rien. Là. Je mets juste du cyclique à droite et il part à droite. Mais il fait pas que ça d'ailleurs. On voit qu'il Là, je compense en mettant du cyclique à gauche, voilà, pour restabiliser à peu près. Là, je mets du cyclique, on va dire, pour équilibrer le mouvement. Et qui va pouvoir y mettre des cycliques vers l'avant, et même essayer de laisser la manche à l'air intacte. Dès qu'on a oublié la manche à l'air, hein. Du cyclique à l'avant. Voilà. Donc un tout petit peu, hein, gentiment. Et là, on se rend compte que l'hélicoptère va aller en marche avant. Là, je l'ai remis à peu près au centre Là, il va et je arrêter le le mets à mouvement. l'arrière. Gentiment à l'arrière. Je le remets au centre. Remet un peu vers l'arrière. Et là, on remarque que l'hélicoptère recule, il le reprend directement pour éviter la catastrophe. Maintenant, il va mettre du pied à gauche. Du pied à gauche, gentiment. Voilà, vu du pied à gauche. Voilà. Enfin, gentiment, Et c'est vite dit. là, on voit que l'hélicoptère tourne sur lui dans le sens anti-horlogique. Et s'il met du pied à droite. Là, j'ai arrêté de mettre du pied à gauche et maintenant je mets du pied à droite. Voilà. Et c'est là que l'on se rend compte vraiment que lorsque l'on travaille sur un axe, on doit obligatoirement compenser sur les deux autres axes. Maintenant, Pascal va nous faire la démonstration d'un statique dans l'effet de sol, où là, il va travailler sur les trois axes et essayer de rester dans une zone bien définie. Au départ, c'est vous-même qui allez définir la zone. Zone de 20 mètres sur 20 mètres. Et puis petit à petit, vous allez les rétrécir cette zone-là, tout en vous interdisant de sortir de la zone que vous vous êtes donné au début. Donc, ne soyez pas trop gourmand. Il vaut mieux travailler dans une zone de 20 sur 20 au départ et avoir des résultats que de vouloir dire, oh, je fais ça dans un mètre carré, et puis se dégoûter parce que de prime abord, au début, on ne va pas y arriver. Et voilà. Et là, on voit que Pascal travaille. On voit le palonnier qui bouge, on voit le cyclique qui bouge. Et malgré tout, on bouge un tout petit peu toujours. Tout à Comme je fait. dis toujours, c'est quand on croit qu'on a réussi à maîtriser le stationnaire que dans la demi-seconde, on commence à bouger. Pascal peut se poser maintenant en ne déglinguant pas la lumière. Alors vous remarquez que on n'est pas en réseau pour le moment, donc on n'a pas d'autres aéronefs et on ne perturbe personne d'autre. Donc on s'octroie vraiment en privative la scène du Verseau. Scène du Verseau, ce sera celle qui va nous servir de base, étant donné qu'elle est bien dégagée.